Ma personne ne transgresse jamais tes valeurs pour de l'argent. Sinon, tu vas le regretter. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 22 choses à savoir sur l'argent. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ça sera un résumé du livre de Zig Ziglar qui s'intitule « Rendez-vous au sommet ». Dans ma personne, reste connecté parce que cette vidéo va juste être énorme. Et puis, troisième annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colloise. Colloise qui est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à savoir en ce qui concerne l'argent, c'est que l'argent reste et demeure un moyen d'échange. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on a pour habitude de dire « je veux beaucoup d'argent, je veux gagner beaucoup d'argent ». Mais très peu sont ceux qui prennent le temps de se poser la question de savoir « qu'est-ce que je suis prêt à échanger pour pouvoir gagner cet argent-là ». Tu vois que dans notre société, très souvent, que font les gens? Les gens échangent leur temps contre de l'argent, leur service contre de l'argent ou alors un produit contre de l'argent. Et toi, ma personne, qu'est-ce que tu es prêt à échanger pour gagner de l'argent? Par ailleurs, dis-toi aussi que plus tu as d'argent, plus tu peux échanger avec les autres. La deuxième chose à savoir ce qui concerne l'argent, c'est que ma personne, nous vivons dans un monde où tout est vente. Le monde capitaliste dans lequel on vit veut que pour gagner de l'argent, il faut réussir à vendre à un maximum de personnes un produit. Soit tu vends un produit qui coûte moins cher à un maximum de personnes, ou alors tu vends un produit à une classe élitiste, mais tu le vends très cher. Voilà les deux moyens de se faire beaucoup d'argent. Et ça me permet justement de rebondir sur quelque chose de crucial, c'est que les plus grands entrepreneurs au 21e siècle, ce sont les plus grands vendeurs aussi. Jeff Bezos, première fortune mondiale, c'est l'un des plus gros vendeurs au monde. C'est pour ça qu'il gagne autant d'argent. Il en est de même pour Bill Gates, il en est de même pour Mark Zuckerberg. Parce que dis-toi que ma personne, si tu veux devenir un entrepreneur, la compétence première que tu dois développer, c'est ta compétence de vendeur. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord et surtout un vendeur de solutions. Parce que dis-toi que si tu te focalises uniquement sur le fait de concevoir une bonne solution, ce qui va se passer, c'est que si tu conçois une bonne solution, mais que tu n'arrives pas à vendre cette solution-là, il est fort probable que ton statut d'entrepreneur, que tu ne puisses pas le porter pendant longtemps. Pour la simple raison que pour qu'une entreprise puisse être pérenne dans le temps, il faut qu'elle gagne de l'argent. Et comment on fait pour gagner de l'argent? C'est en réussissant à vendre son produit. Et depuis que moi j'ai pris conscience de cet état de choses, ma personne, j'ai accentué sur ma formation en tant que vendeur. Moi, à la base, je suis un peu comme tout le monde. J'aime pas trop vendre. À la base, je dis bien. Mais depuis que j'ai compris que si je veux monter un empire qui va fonctionner, si je veux pouvoir créer de l'emploi, parce que c'est à ça que devrait servir l'argent, il va falloir que j'apprenne à vendre. Raison pour laquelle, première chose que j'ai faite, je me suis procuré le livre de Maxime Victor, 40 ans de prison, 5 ans de travaux forcés, qui t'apprend énormément de stratégies sur comment bâtir une entreprise à succès. Et parmi ces stratégies, justement, il y a la vente. Et deuxièmement, ma personne, j'ai acquis il y a peu la formation qui s'intitule Vendeur 3.0. Que ce soit le livre, que ce soit la formation, si jamais tu souhaites entrer en possession de l'un de ces deux outils pour te former, laisse-moi un message, je te laisse mon numéro WhatsApp. On pourrait penser qu'il n'y a que les entrepreneurs qui doivent apprendre à vendre alors qu'il n'en est rien. Parce que même le salarié se vend. Il vend son temps, il vend sa compétence. Et puis Maxime Victor a une très belle citation qui dit la chose suivante. Si tu sais te vendre, tu ne mourras jamais de faim.
Même quand tu vas déposer un CV, quand tu passes un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de vendre ta personne, tu essaies de vendre tes compétences, tu essaies de vendre tes services. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à vendre et à se vendre si jamais tu veux faire de l'argent. 3. L'argent n'est pas la source du bonheur. La phrase courante, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais je trouve que cette phrase est très, très, très vicieuse, ceci en ce sens où elle prête beaucoup à confusion et ça entraîne des dérives pas possibles. Quand tu dis « l'argent n'est pas la source du bonheur », ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui sera à l'origine de ton bonheur, parce qu'on connaît des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont plus heureux que des personnes qui ont beaucoup d'argent. Ça veut dire que le problème, l'élément capital, ce n'est pas l'argent, mais c'est autre chose. Si l'argent était suffisant pour faire le bonheur, des personnes comme Michael Jackson ne se seraient jamais suicidées. Donc, il faut remettre l'argent à sa place. Bon, je ne saurais terminer ce point sans aussi apporter une précision qui est très importante, c'est que c'est l'argent qui est mal utilisé qui ne fait pas le bonheur. Parce que quelque part, l'argent te permet d'acquérir 3 choses. 1. L'argent te permet de gagner en qualité de vie. 2. L'argent te permet d'avoir une certaine liberté. Et cette liberté te permettra, troisièmement, d'avoir de bonnes relations avec ta famille, de bonnes relations avec les gens qui t'entourent, de passer plus de temps avec les gens que tu apprécies. Et ces 3 éléments peuvent t'aider justement à flirter avec le bonheur. C'est donc pour ça que j'ai dit qu'il faut chercher l'argent. Parce que tu ne peux pas être heureux quand tu vois ton enfant ou ta mère ou ton père qui souffre. Mais tu ne peux pas lui procurer des soins parce que tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas être heureux. Donc dans toute chose, il faut un juste milieu. L'argent reste et demeure un moyen. Donc tout le monde doit chercher son argent. L'argent, ce n'est pas mauvais. Hein? Parce qu'il y a cette phrase aussi qui dit que l'argent, c'est le diable, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, ce sont des bêtises. L'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que je me suis déjà tellement étalé là-dessus. 4. Il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Je répète, il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de projets qu'on veut mettre en place, mais très souvent, le premier frein qu'on rencontre, c'est le manque de capital pour démarrer son business. Non, ma personne, si aujourd'hui, il te manque le capital pour démarrer ton business, la chose que tu peux faire, c'est de vendre tes services. Parce que dis-toi que tes mains peuvent être une richesse, tes pieds peuvent être une richesse, même ta bouche peut être une richesse. Mais maintenant, il n'en tient qu'à toi à réussir à transformer ces richesses-là en leur équivalent en argent. Mais pour pouvoir voir les choses sous cet angle-là, il faut avoir un cerveau bien éduqué. C'est pour ça que Robert Kiyosaki a pour habitude de dire que ton cerveau est ton capital le plus important. C'est ton actif le plus important. Donc, il est important que tu apprennes à éduquer ton cerveau si jamais tu veux faire de l'argent. Ça me permet d'ailleurs de te raconter une petite histoire pour te prouver à quel point tu as tout ce qu'il faut déjà pour faire de l'argent. Betty Grable, c'est une ancienne pin-up, c'était une actrice et chanteuse américaine qui était très convoitée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En ce moment, elle devait tourner un film et d'après ce que j'ai pu comprendre, elle aurait pu perdre ses 2 jambes pendant ce film parce qu'elle avait été nommée comme étant la femme aux jambes les plus parfaites au monde. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a assuré ses jambes à 1 million de dollars. Bon, maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que si quelqu'un venait et te proposait 1 million de dollars pour que tu lui vendes tes 2 jambes, tu serais prêt à accepter? Est-ce que si quelqu'un venait et te proposait 1 million de dollars pour lui vendre tes 2 mains, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que si quelqu'un venait et te proposait de lui vendre tes 2 yeux pour 1 million de dollars, est-ce que tu serais prêt à accepter? Donc, tu comprends que ce que tu as sur toi est déjà beaucoup plus précieux, coûte déjà beaucoup plus cher que 3 millions de dollars. Donc, en toi, tu as tout le capital qu'il faut pour pouvoir faire de l'argent. 5. On ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent. Pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, ma personne,
Comme tu le sais déjà, je suis en cinquième année de médecine et très souvent je suis en stage à l'hôpital. Et il se trouve qu'il y a un peu plus de 3 mois en arrière, je faisais le tour avec les infirmières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, une infirmière gagne minimum 1500 euros par mois. Et 1500 euros par mois en France, tu as de quoi vivre une vie plutôt modeste. Sauf qu'en tendant l'oreille, en les entendant parler, je me suis rendu compte qu'elles se plaignaient du fait qu'elles avaient du mal à joindre les deux bouts du mois. En tendant encore un peu plus d'oreille, j'entendais beaucoup parler de restaurants, de sorties, de vacances. Je me suis dit, bon, ouais, ça peut arriver. Sauf que la semaine d'après, je suis allé tourner avec les chefs de service, les médecins, bref, le haut du tableau, quoi. Et un médecin en France gagne minimum, voilà, 3000 euros, disons 3000 euros minimum. Arrêtons-nous juste là, parce que c'est beaucoup plus. Et je me suis rendu, et avec 3000 euros en France, quand même, tu vis bien. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi se plaignaient des mêmes problèmes. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts du mois. Du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais oh, comment ça se fait que le médecin qui gagne 3000 se plaigne et que l'infirmière qui gagne 1500 se plaint aussi? Eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle quelqu'un peut être très instruit sur le plan académique, mais complètement ignorant sur le domaine financier. Et la deuxième conclusion que j'ai tirée, c'est que on ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent, mais on résout les problèmes d'argent avec une intelligence financière, avec une discipline financière. Parce que on aura beau te remettre tout l'argent du monde, tant que tu n'auras pas une bonne discipline financière, l'argent va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre. Tu seras juste une passoire de ma personne. Si aujourd'hui tu as des problèmes d'argent, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est parce que tu as une mauvaise intelligence financière, c'est parce que tu as une mauvaise gestion de l'argent, c'est parce que tu as une mauvaise discipline financière. Donc, si tu veux résoudre tes problèmes d'argent, éduque-toi financièrement. Et en ce qui concerne l'éducation financière, la première règle, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. 6. Il n'y a aucune relation entre l'âge et la richesse, ma personne. Pour ainsi dire, il n'y a pas un âge pour être riche et un âge pour être pauvre. Malheureusement encore, je rencontre dans notre société des gens qui continuent de penser qu'un jeune ne peut pas être riche. Quand bien même la réalité nous prouve le contraire. Parce qu'on a des jeunes qui sont riches et des personnes âgées qui n'ont rien. C'est vrai, devenir riche demande du temps. Mais combien de temps? Combien de temps? Ça encore, ça change beaucoup. Tu sais, ma personne, moi aussi je pensais que il fallait que j'attende d'avoir 60 ans pour devenir riche, pour pouvoir kiffer la vie. Jusqu'à ce que je découvre un livre qui a tout chamboulé dans ma tête. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très gaffe parce que les livres vraiment sont très riches. Le livre que j'ai découvert et qui a tout bousculé dans ma tête, c'est ce livre. Le livre de M.J. DeMarco qui s'intitule « L'autoroute du millionnaire ». Dans ce livre, j'ai réalisé que c'était possible d'être jeune et d'être riche. C'était possible de devenir riche rapidement. Je n'ai pas dit facilement, j'ai dit rapidement. Et c'est même quand tu es jeune que tu dois avoir beaucoup d'argent. Que tu dois avoir, parce que c'est quand tu es jeune que tu as de la vigueur, que tu as de la force, que tu peux profiter de la vie. Donc c'est le meilleur moment pour être riche. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on décide d'emprunter la voie lente. Celle qui dit que travaille dur pendant 40 ans, tu mets de l'argent de côté, comme ça quand tu auras 60, 70 ans, tu vas commencer à profiter à 60, 70 ans. Sauf que comment tu veux profiter? C'est chaud de profiter quand tu es en fauteuil roulant, tu vois. C'est maintenant que tu dois profiter de la vie. Donc paye le prix maintenant, fais les sacrifices qu'il faut pour pouvoir être riche rapidement et donc kiffer la vie à fond. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. De ma personne, tu es jeune, tu peux devenir riche jeune sans pour autant faire de la sorcellerie. 7. On n'apprend pas à devenir riche à l'école. Pourquoi est-ce que je te dis ça, ma personne? Je te dis ça parce que le but de l'école, c'est de te transmettre les connaissances. Mais à aucun moment, l'école ne t'apprend comment utiliser ces connaissances-là pour faire de l'argent. L'école te transmet les connaissances pour que tu deviennes un professionnel afin que tu puisses intégrer l'entreprise qui a été conçue par quelqu'un d'autre qui n'est même pas plus intelligent que toi. Regarde, ma personne. Quand tu intègres une entreprise, quand tu deviens salarié, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce qui se passe, c'est que si ton patron te verse 100 000 francs,
dis-toi que tu en rapportes au moins 600 000. Parce que j'ai discuté avec un entrepreneur il y a quelques années en arrière et il m'expliquait que la masse qu'il affecte pour les salaires, c'était 15% de son chiffre d'affaires. Et il dit qu'il s'enorgueillissait. Il était content parce qu'il était vraiment là. Parce qu'en général, c'est 10-8% que les gens affectent à la masse salariale. Et lui, il en affectait 15%, il était content. Dès lors, tu comprends que le but de ton patron n'a jamais été de te rendre riche. Donc, si jamais tu veux réussir à devenir riche, il va falloir que tu mettes en place ton propre système. Et ça me permet d'ailleurs de venir au 8e point, ma personne. Personne ne fait fortune seul. Je répète, personne ne fait fortune seul. Donc, si tu te dis que tu vas faire fortune seul, tu vas gagner tout l'argent en faisant tout le travail seul, tu mens. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est devenir esclave de ton propre système. Personne n'est assez intelligent. Personne n'a assez de compétences. Personne n'a assez d'expérience pour dire qu'il va faire fortune seul. Aujourd'hui, je te disais tantôt dans une précédente vidéo que j'ai réussi à me mettre en équipe avec 3 amis pour qu'on puisse faire progresser le business que j'avais mis en place seul par le passé. Parce que très vite, j'ai compris que seul, j'étais limité. Je ne pouvais pas aller plus loin que ce que je faisais. Donc, quand je me suis dit, bon, maintenant, il veut faire plus de ventes. Je veux multiplier mon chiffre d'affaires. Il a fallu que je fasse adhérer d'autres personnes pour qu'on gère mieux les choses. Parce qu'ils avaient une autre vision du business et moi, j'avais la mienne. Du coup, on se complète et on va plus loin. Donc, si tu as un truc que tu veux mettre en place, tu veux faire de l'argent, il va falloir que tu crées une équipe. Ça va être compliqué. C'est compliqué de se créer son réseau. Mais si tu fais ce qu'il faut, tu vas réussir à attirer à toi les bonnes personnes pour pouvoir faire fructifier ton business. Dans ma personne, bâtis ton système. 9. Si tu es pauvre, c'est parce que tu ne sais pas chercher l'argent. Je répète, si tu es pauvre, c'est parce que tu ne sais pas chercher l'argent. À chaque fois que je dis ça, ça choque des gens. Pourtant, c'est vrai. Tu sais, beaucoup d'entre nous allons à l'école, on sort diplômé, on a un excellent diplôme. Ensuite, je vais prendre le cas du médecin, on devient un grand médecin chirurgien, on intègre un système, on travaille et on est payé pour le service qu'on produit. Même jusque-là, tu ne sais pas chercher l'argent. Tu gagnes de l'argent, tu as une vie aisée, mais tu ne sais pas chercher l'argent. Ce que tu sais faire, c'est travailler. Ce n'est pas chercher l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'école, tu as ton diplôme, maintenant tu deviens chirurgien. Ensuite, tu intègres un système qui a été conçu par d'autres personnes. Et c'est eux qui ont décidé que bon, maintenant quand tu vas faire telle opération, tu vas être payé tel montant. À aucun moment tu ne sais chercher l'argent. Tout ce que tu sais faire, c'est travailler. Et maintenant, tu sais que quand je fais telle tâche, j'ai tel service, j'ai telle quantité d'argent qui va rentrer. Alors que l'entrepreneur, il sait chercher l'argent, l'entrepreneur à succès. Parce que tout le temps, il doit mettre en place des stratégies pour faire entrer l'argent dans sa structure. Parce qu'il sait que s'il n'arrive pas à le faire, son entreprise coule. Donc, c'est lui qui sait chercher l'argent. Donc, si jamais tu veux gagner plus d'argent, il va falloir que tu aies cet esprit entrepreneurial. Il va falloir que tu penses à créer des systèmes, des stratégies, des tactiques pour que l'argent rentre de partout, que tu deviennes un aimant à cash. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Parce qu'ils sont tout le temps en train de se former, ils sont tout le temps en train de réfléchir. Parce que nous sommes dans un monde où les choses évoluent tout le temps. Et ils sont tout le temps en train de s'adapter pour pouvoir faire rentrer du cash. 11. L'argent, c'est la liberté. L'argent t'offre plus de choix, ma personne. Pourquoi est-ce que je t'ai dit que l'argent, c'est la liberté? Parce que, ma personne, quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé à chaque fois de travailler pour quelqu'un d'autre. Et quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est celui pour qui tu travailles qui te dit, quand est-ce que tu vas prendre ton congé? Quand est-ce que tu prends ta pause? Comment tu dois t'habiller? Et aussi, combien est-ce qu'il va te payer pour chaque heure de travail? Alors que quand tu as ton argent, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Mais tant que c'est quelqu'un d'autre qui te paye, c'est lui qui te dit comment tu vas fonctionner. C'est pour ça que j'ai dit que l'indépendance financière, c'est la liberté. Donc, plutôt que de chercher tout le temps la sécurité financière, au 21e siècle, on se rend très vite compte que cette sécurité financière-là n'est pas tant réelle que ça. C'est plus une illusion qu'autre chose. Il faut chercher l'indépendance financière. Mais pour ça, c'est vrai, il y a un prix à payer. Mais le résultat à l'arrivée est juste énorme. 12.
Si tu veux faire plus d'argent, il faut d'abord avoir confiance en tes capacités de faire plus d'argent, ma personne. Tu sais, je rencontre souvent des gens qui me disent, je n'ai pas confiance en moi, je veux mettre en place tel business, mais je n'ai pas confiance en mes capacités de pouvoir mener à bien ce projet. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Donc, c'est à toi de prouver aux gens qu'ils ont des raisons de croire en toi, de croire en ton projet. Parce que le monde ne suit que les gens qui savent où ils vont, des gens qui ont confiance en eux-mêmes et qui réussissent à communiquer cette confiance en eux-mêmes là aux autres. Et on sait toujours que les leaders gagnent toujours plus d'argent que les suiveurs. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, deviens un leader, ma personne. C'est vital. Tu sais, si jamais tu manques de confiance en toi-même, tu manques de confiance en un projet que tu as envie de mettre en place, adopte la méthode des petits pas. Fais la version minimaliste de ton projet. Et maintenant, vas-y, mollo, mollo. Si tu réussis un, ça va te donner la confiance pour essayer deux. Si tu réussis deux, ça te donner plus de confiance pour essayer trois et ainsi de suite. Et après, au bout d'un moment, ton cerveau s'habitue et ça devient automatique. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je te dis ça parce que la première expérience de business que j'ai mis en place, c'était mon business de basket. C'était pour la première fois que je me dis, je vais acheter quelque chose pour revendre. En soi, la première paire de chaussures que j'ai achetée pour faire un essai, c'était une basket qui coûtait 30 euros. Mais juste pour payer 30 euros sur une basket que je pourrais revendre, j'ai hésité pendant longtemps alors que d'habitude j'achetais mes baskets à 300 euros. Mais après je me suis dit, bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'ai mis les 30 euros, j'ai acheté la paire de chaussures et je l'ai revendue à 40 euros. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Après, j'ai refait la même chose, sauf que la deuxième fois, j'ai mis 200 euros et j'ai récupéré un peu plus de 350 euros. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je travaille plus seul. On a un chiffre d'affaires qui est à plus de 2500 euros. Et maintenant, on ne réfléchit même plus quand on veut acheter. Oh, je vais, j'achète et puis je sais que je vais. Voilà. Je ne réfléchis plus. Et ce n'est même plus que ça que je vends. Je vends des livres. Et quand je vais investir, je n'ai plus cette crainte-là que est-ce que non. Maintenant, quand j'investis, derrière, je me pose la question de savoir, bon, maintenant, quelle est la stratégie que je mets en place pour pouvoir vendre ce produit, pour pouvoir l'écouler, parce que tout est une question de stratégie. Donc maintenant, j'ai déjà une certaine confiance en moi-même qui me permet de faire certains investissements qui vont à plus de 2500 euros, avec mon équipe, bien évidemment. Mais comme je te l'ai dit à la base, j'étais seul. Quand j'en parlais, les gens me disaient, ouais, vas-y. Mais quand ils ont vu, un an, je suis dans le game, un an, deux mois, je suis dans le game, après, je leur dis, voilà les chiffres, vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on se mette ensemble? Au bout d'un moment, c'est eux qui m'ont dit, Valère, je pense qu'il y a un truc à faire. Et aujourd'hui, on est là, on fait notre petit bout de chemin. C'est juste pour te, je te donne les chiffres et je te donne les exemples pour que tu puisses comprendre que les autres avant nous l'ont fait. Je le fais. Il m'inspire. Donc toi aussi, tu peux le faire si tu t'y mets. 13, ma personne. La fortune ne sourit qu'aux audacieux. Ma personne, il faut avoir l'audace de faire ce que la majorité des gens ne font pas si tu veux gagner de l'argent. Parce que si tu vas avoir ce que seulement 5% de la population mondiale a, il faut se comporter comme ces 5%-là. Et pour ça, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Kadji Dofoso, Jean-Samuel Nochongwen, Claudel Nubisi, Philippe Simo, je peux t'en citer bien d'autres, Oprah Winfrey, Marthe Karine, Françoise Poine, bref, toutes ces personnes-là, je me suis un peu intéressé à leur vie. Et s'il y a une caractéristique que toutes ces personnes ont, c'est que ce sont des personnes audacieuses. Ce sont des personnes qui osent faire ce que la majorité des gens n'osent pas faire. Parce que la majorité des gens vont te dire, ouais, je n'ose pas, je n'ai pas confiance en moi, je suis timide, machin truc. Ma personne, si tu es timide, comment est-ce que tu veux réussir à convaincre les gens de te suivre? La timidité, ça se combat, on arrive à passer outre tout ça. Mais à un moment, mais c'est juste qu'il faut accepter de vouloir passer outre tout ça. Et je ne parle pas d'accepter avec la bouche. Je parle d'accepter dans une démarche. C'est sûr qu'au début, ce n'est pas trop ça. Moi, la confiance que j'ai en moi aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais par le passé. Aujourd'hui, certes, quand je parle, je fais des vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Mais ce n'a pas toujours été ça par le passé. Tu peux regarder les anciennes vidéos, tu verras la différence avec celle d'aujourd'hui. J'ai accepté de suivre le processus. J'ai accepté de me former. J'ai accepté, j'ai pris l'audace de me dire, bon, il faut que je m'engage aussi à essayer de partager avec les autres
ce que je sais au sujet de l'argent. Et c'est un cheminement très enrichissant parce que ça m'ouvre des portes que moi, je n'imaginais pas. Je suis en contact avec des gens et je me pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils voient en moi? Parce que des fois, je me dis, mais oui, ouais, je fais des trucs, mais voilà. Je n'imaginais pas la portée que ça pouvait avoir. Mais dans mon téléphone, aujourd'hui, j'ai des numéros et que je me dis, waouh, ma personne ose être audacieux. 14. Ma personne, on ne devient pas riche par hasard. J'entends souvent les gens dire la richesse, c'est la chance. Bon, on pourrait croire ça. Tu sais, quand quelqu'un vend une application à 3 millions de dollars, les gens disent que c'est la chance. Mais personne ne voit quand le gars passait des heures, des nuits blanches à coder cette application-là. Est-ce que tu penses que les nuits blanches qu'il passait à coder son application, c'était le facteur chance? Non. Je ne dis pas que le facteur chance n'existe pas. Attention. Mais je dis que la chance, c'est le qualificatif que les paresseux donnent au travail des autres. Et puis même, comme le dit un grand penseur, plus tu travailles, plus la chance te sourit. Donc ne reste pas là à dire que tu ne fais rien et tu attends que la chance va te sourire. Non, il faut oser aller pousser les murs, il faut bousculer pour pouvoir attirer la chance à toi, pour pouvoir gagner plus d'argent, ma personne. On ne devient pas multimillionnaire par hasard. Et puis même quand tu vas gagner les millions là par hasard en jouant au loto, si tu n'as pas la bonne attitude face à l'argent, tu vas perdre tout cet argent. Et donc pour ça que Napoléon, il a pour habitude de dire que dans le processus d'enrichissement, le plus important, ce n'est pas le but à atteindre, mais c'est le voyage. C'est la personne que tu deviens. C'est ça le plus important. Parce que ce que tu vas apprendre pendant tout le processus, la personne que tu vas devenir, c'est là qu'il y a tout le secret. C'est là que tu te formes. Et c'est même le plus jouissif, si je me fie à tout ce que les personnes qui financièrement sont déjà assises disent. La personne, tu veux devenir riche? Pose les actes qu'il faut. Ne compte pas sur le facteur chance. Et puis même si tu veux augmenter tes chances de gagner de l'argent, il faut travailler. Travailler comment? Parce que quand on parle de travail, très souvent on nous dit, si tu veux devenir riche, travaille dur. Travailler dur ne suffit pas. Il faut aussi et surtout travailler intelligemment. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon il a intitulé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit « Travaillez dur et devenez riche ». Il a dit « Réfléchissez et devenez riche ». C'est sûr, ma personne, si tu travailles dur, tu vas bien gagner ta vie. Mais si tu travailles dur et intelligemment, tu vas faire une fortune. 15. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut utiliser les leviers d'enrichissement. Et l'un des leviers d'enrichissement au 21e siècle, c'est Internet. Pour que tu comprennes mieux, je vais te prendre une petite distinction, ma personne. Tu sais, un enseignant d'école, un professeur d'université, c'est quelqu'un qui est très utile à la société. Il est quelqu'un de très important, mais il n'a pas de levier d'enrichissement. Du coup, l'argent qu'il gagne est très limité, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors qu'un footballeur gagne des millions parce que il utilise un levier d'enrichissement hyper puissant que sont les médias, ma personne. Les médias, c'est un excellent levier d'enrichissement. Parce que comme le footballeur, quand tu vas jouer, quand tu atteins un certain niveau, par exemple Cristiano Ronaldo, certes, il court juste derrière un ballon en cuir. Mais comme il y a des milliards de personnes qui sont prêtes à le regarder courir derrière ce ballon en cuir, il y a des milliards de personnes qui sont prêtes à payer pour le voir regarder courir derrière un ballon en cuir, il y a des milliards de personnes qui sont prêtes à porter un maillot qui porte juste son nom derrière. Grâce à quoi? Grâce aux médias qui parlent beaucoup de lui aussi, en dépit du fait qu'il soit un bon footballeur. Et bien la logique veut que, comme il fait rentrer 10 milliards par exemple, qu'il en gagne au moins 2 ou 3. C'est un exemple. Attention, c'est un exemple. Le médecin, à l'inverse, ou le professeur d'école, qui forcément, il est très utile à la société, il est très compétent. Comme il n'utilise pas les leviers d'enrichissement, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut donner cours qu'à maximum 2000 personnes à la fois. Du coup, la quantité d'argent qu'il gagne est très limitée. C'est la raison pour laquelle un professeur d'école
d'université sera moins payé que Cristiano Ronaldo. Mais maintenant, un professeur d'école aussi peut utiliser des leviers tels que Internet, mettre ses cours sur Internet, créer des formations, ceci afin de gagner plus d'argent. Dans ma personne, pour devenir riche, il faut apprendre à utiliser des leviers d'enrichissement. 16. Si tu veux gagner plus d'argent, augmente ta valeur. Parce que dis-toi que ma personne, si tu veux plus, tu n'as qu'à devenir plus. Et donc le seul obstacle à ton enrichissement, c'est toi-même. Tu es le seul vrai obstacle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que les choses deviennent plus faciles. Ça, ce sont des choses qui sont hors de ton contrôle. Alors que ce qui est dans ton contrôle, c'est toi-même. Tu peux devenir plus précieux. Tu peux augmenter ta valeur. Tu peux devenir plus fort. Donc, au lieu d'attendre que les choses deviennent plus faciles pour faire plus d'argent, cherche à devenir plus fort. Cherche à devenir plus précieux sur le marché. Tu sais, Jim Rohn a pour habitude de dire que le succès, je vais dire l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant quelqu'un de plus précieux, en devenant une meilleure personne. Donc, investis massivement en toi-même, ma personne. Parce que la différence entre toi d'aujourd'hui et toi de demain, ça sera sur le nombre de choses que tu auras apprises. Et plus tu en sais sur l'argent, plus tu gagnes de l'argent. Parce que si tu en savais plus en ce qui concerne l'argent, si tu savais où trouver la bonne marchandise à un bas prix pour pouvoir venir revendre, c'est que tu aurais plus d'argent. Si tu savais comment est-ce qu'on investit à la bourse pour que ce soit beaucoup plus rentable, c'est que tu aurais plus d'argent. Si tu savais comment on trade, comment faire du trading, tu aurais fait du trading pour gagner plus d'argent. Donc tu comprends que c'est un problème de connaissance et de compétences. Et ça, l'argent ne peut pas te donner ça. Il faut que tu apprennes. La connaissance ne se donne pas en un jour. Il faut du temps pour apprendre. Donc, investis massivement en toi-même. Ma personne, tu ne gagneras jamais beaucoup d'argent si tu n'es pas prêt à prendre des risques. Je répète, tu ne gagneras jamais beaucoup d'argent si tu n'es pas prêt à prendre des risques. Les entrepreneurs à succès, bien évidemment, gagnent beaucoup d'argent parce que c'est le retour sur investissement du risque qu'ils ont pris. Comme ils prennent des risques très importants, eh bien, l'argent qu'ils gagnent aussi est en quelque sorte la compensation du risque qu'ils ont pris. Quand un entrepreneur investit son argent dans un projet, rien ne lui garantit qu'il va avoir un retour sur investissement, mais il court ce risque-là. Et ça, c'est un risque que très peu de gens sont prêts à prendre. Moi, je connais des gens qui sont prêts à mettre, je vais dire, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour s'acheter un sac Louis Vuitton. Je connais personnellement des gens comme ça, des gens capables de mettre 1500 euros sur un téléphone. Mais tu lui demandes de mettre 100 000 francs sur un petit business, il va te dire qu'il n'a pas le cœur. Parce qu'il dit qu'il a peur de perdre ses 100 000. Il a peur de perdre ses 100 euros. Pourtant, il est prêt à mettre 1500 euros sur un téléphone qui ne lui rapporte pas de l'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Tu veux faire de l'argent, accepte de payer le prix. Accepte de prendre le risque. Parce que la vérité, c'est que il n'existe aucun riche qui n'a jamais perdu de l'argent en investissant. Parce que quand tu investis, c'est sûr, il y aura toujours des moments où tu fais des erreurs. Et c'est à partir de ces erreurs-là que tu apprends. Alors qu'à l'inverse, il y a des pauvres qui n'ont jamais perdu 25 francs. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ma personne, tu veux faire de l'argent, accepte de prendre les risques. Parce que derrière chaque échec se cache en fait le germe de la réussite. Donc pendant que toi tu as peur de faire des erreurs, il y a quelqu'un à qui les erreurs ne font pas peur. Et il fait les erreurs, il apprend et il avance. Dans 10 ans, tu verras que lui il a accumulé les erreurs et il a avancé. Toi tu n'as fait aucune erreur, mais tu es resté au même niveau. Donc accepte de prendre les risques, ma personne. 19. La quantité d'argent que tu gagnes est équivalent au nombre de vies que tu impactes, ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc plus le produit ou le service que tu mets en place est utile à beaucoup de personnes, plus tu gagnes de l'argent. Donc si jamais aujourd'hui tu as un service et que tu veux faire plus d'argent, il faut que tu arranges à ce que ça atteigne plus de personnes possible. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en investissant dans la communication, c'est en investissant dans le marketing. Mais ça aussi, ça s'apprend.
Depuis que j'ai pris conscience de l'importance de savoir communiquer, de l'importance du marketing, ma personne, j'ai commencé à me former dans la chose. C'est pour ça que j'ai dit, forme-toi, ma personne. Avant, quand mes mentors me disaient qu'il faut se former, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Formez-vous, formez-vous. Est-ce que vraiment on a besoin de savoir ça? Communiquer, savoir parler en public, ça ne s'apprend pas. Ça, c'est ce que je pensais. Mais le jour que j'ai pris mon premier cours de prise de parole en public et que j'ai fait une présentation à la fac, j'ai senti la différence. Parce que même quand j'ai fini de présenter mon truc, mes collègues m'ont dit, mais tu as fait du théâtre? Et là, j'ai dit, non. J'ai juste pris des cours de parole en public, de prise de parole en public. Ma personne, c'est hyper important de savoir communiquer sur un produit. Parce que communiquer sur ton produit, c'est le faire exister. Nous sommes dans une société où faire juste un produit de qualité n'est pas une garantie, n'est pas un gage de réussite. Parce qu'on a trop de produits qui existent en ce moment. Donc, si tu veux que ton produit puisse être vu, il faut faire plus de bruit que les autres. Il faut apprendre à communiquer. Il faut que, en fait, il faut être présent partout. Et depuis que j'ai compris ça, ma personne, j'ai commencé à voir les résultats. J'ai commencé à voir le changement. Ma personne, tu as un produit, tu veux faire de l'argent, communique à fond sur ton produit. Fais plus de bruit que les autres. Il faut que les gens ne voient que toi. Même quand ils dorment, ils pensent à toi. Ce n'est que comme ça que tu pourras faire plus d'argent. 20. Ma personne, si tu veux faire plus d'argent, sois prêt à payer le prix. Sois prêt à faire des sacrifices. Et un grand penseur a pour habitude de dire que tant que ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, donc sois prêt à payer le prix. Malheureusement, les adeptes de la satisfaction immédiate, ceux qui veulent tout tout de suite, refusent de payer le prix. Alors qu'on sait très bien qu'on n'obtient rien sans effort, on n'obtient rien pour rien. Paye le prix, ma personne. Et moi, l'un des sacrifices que je fais en ce moment, c'est de me priver de plein de choses. Dieu seul sait à quel point je vais m'acheter les vêtements, hein, les habits, les chaussures, les sacs. J'adore ça. Mais ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je me suis sacrifié. J'ai dit, pour le moment, je vais investir mon argent dans les actifs. Il faut que mon argent produise d'abord de l'argent et après, comme ça, je vais acheter les vêtements que je veux. Même les sorties restaurants. Ma copine et moi, on a fait le choix d'aller au restaurant très, très rarement. Et je crois même que ça va faire, en un an aujourd'hui, nous sommes allés au restaurant peut-être 2 fois. Si on m'avait dit que je pouvais faire un truc comme ça dans ma vie, j'aurais jamais cru. Et pourtant, ma personne, tu veux faire de l'argent, fais les sacrifices qu'il faut. Moi, aujourd'hui, la majorité de mon argent part dans des formations, dans des livres. Aujourd'hui, je lis au moins 2 livres par mois. J'investis et je vois les résultats au quotidien. Ma personne, investis en toi-même. Accepte de payer le prix. Accepte de sacrifier les sorties avec des potes. Accepte de sacrifier les habits, les chaussures, les téléphones. Si tu veux faire plus d'argent. 21, ma personne. Plus de 80% des problèmes que tu rencontres peuvent être résolus par l'argent. C'est pour ça qu'il faut chercher l'argent, ma personne. C'est vital. C'est vital d'avoir de l'argent. Sinon, tu vas mourir bêtement. Chaque jour, quand tu te lèves, il va falloir que tu manges. Il faut de l'argent. Il va falloir que tu t'habilles. Il faut de l'argent. Il va falloir, par exemple, que tu ailles à l'école. Il faut de l'argent pour payer le transport. Et même pour aller à l'école, pour s'éduquer, il faut de l'argent. C'est pour ça que ma personne... Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, mais c'est une demi-vérité. C'est l'argent qui est mal utilisé, qui ne fait pas le bonheur, ma personne. Donc, il faut chercher l'argent, c'est vital, ma personne. Et enfin, 22e chose à savoir en ce qui concerne l'argent. C'est vrai, je parle tout le temps d'argent, il faut l'argent, nanana. Ma personne, ne transgresse jamais tes valeurs pour de l'argent. Sinon, tu vas le regretter. Donc, voilà, ma personne, les 22 choses que je voulais partager avec toi en ce qui concerne l'argent. Je sais que toi aussi, tu as d'autres choses à savoir en ce qui concerne l'argent. Donc, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Tu vois, il fait presque nuit là. Hein? Mais je voulais absolument terminer cette vidéo. Si c'est ma personne, je te donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Nina Kano.
Toi tu comptes dessus ton sourire. Depuis quand ça la nourrit. Tout des fois j'attends avec le porteur. Le gars il est comme le pirate, mais c'est celui que t'en gamin.